Evgeny Plushenko, le jeune Evgeny Plushenko, aussi aimé que Yagoudine par les spectateurs niçois. Plushenko, relativement décevant depuis le début de ses championnats, a une mauvaise qualification, un programme court moyen, dirons-nous, avec tout de même une chute. Mais il a le don de revenir en force. Attendons voir ce qu'il va nous présenter ce soir. Evgeny Plushenko, pour la Russie, désormais, bien sûr, tout est possible pour le jeune champion d'Europe. Préparation du triple axel, non plus. Oh, grave erreur. Double boucle piquée. Très grave erreur, très très grave erreur. Mais il aura l'occasion de répéter le saut plus tard dans le programme. Il ne sera pas pénalisé, il n'est pas tombé, il a fait un double. Et voilà, il le réessaye, le triple boucle piquée, voilà, il est réussi. Légèrement penché par en avant, un peu comme Yagoudine. Thème du folklore russe, bien sûr, pour accompagner Evgeny. Il n'y a pour l'instant pas de quadruple saut. À cet instant du programme, Alexei Yagoudine en avait déjà réussi deux. Nous en sommes à égalité pour les chutes entre Yagoudine et Plushenko. Et le Lutz, triple, mais il lui faut ce quadruple, il lui faut ce quadruple pour prendre la tête de la compétition. Arabesque Billman. Triple fou. Alors très joli thème ici, cocher, ralentis ton carrosse, nulle part je ne suis attendu, mais Plushenko est peut-être attendu sur le podium de ces championnats du monde. Triple axel, double boucle piqué et simple Rydberger. Triple salto. Triple Rydberg. Toujours pas de quadruple. Mmh.
esquisse de Pirouette Bilman et Pirouette Bilman pour terminer. Evgeny Plushenko donc pour la Russie. Un sourire qui se dessine sur son visage, mais un sourire un petit peu timide. Isabelle, très objectivement. Yagoudine en premier, à mon avis. Yagoudine, auteur tout de même de deux quadruples au saut, dont un réussi en combinaison. Tout à fait, et sa présentation m'a beaucoup plus marqué, son programme, son énergie, sa détermination. Le public semble avoir compris. Le public semble avoir compris. Bien sûr, il applaudit Evgeny, mais le cœur n'y est pas tout à fait. Je pense qu'Alexei Yagoudine... Alors ici c'est Plushy, c'est son surnom, ça, Plushy bien sûr. Les encouragements pour Yagoudine étaient beaucoup plus forts. Plus quel âge a Plushy? 17 ans seulement pour le jeune russe. Vous voyez, à 17 ans, il a encore beaucoup de temps devant lui pour ses quadruples. Yagoudine n'en a que 20, me direz-vous. Yagoudine, champion du monde en titre. Plushenko, champion d'Europe en titre. Je partage votre avis, Isabelle. Je pense que Yagoudine... Ça ne devrait pas être un problème pour les juges, d'ailleurs. Oui, je me permettrai d'attendre tout de même les notes. Ah oui, là, il y a tout de même cette chute lourde. Sur le quadruple, et Yagoudine l'a atterri. Deux fois. Voilà. Dont une fois en combinaison, ça, il faut le répéter. Voilà. Mais nous allons tout de même attendre, les notes des juges, loin de l'idée de prendre parti pour l'un de ces deux patineurs russes. Mais objectivement, le programme d'Alexei Yagoudine est plus fort ce soir que celui de Plushenko. Il était supérieur, ouais. Très belle pirouette Bilman, en revanche ici pour Plushenko, qui est le seul garçon à réaliser cette pirouette si limpide. Jeune prince russe, lui aussi, il porte sur son visage toutes les traditions et toute la noblesse de son pays. Michine, ici sur la droite, n'a pas l'air particulièrement heureux. Il présente même un visage à peu près aussi heureux qu'un dimanche au Kremlin. Oh là là, non, là les notes sont insuffisantes. Oh là là, mais attention, car ça risque de pénaliser énormément Plushenko. Car attention, ce n'est peut-être même pas la médaille d'argent qui s'envole ici. Les notes sont en dessous de celles d'Elvis et je me demande même si elles ne sont pas en dessous de celles de Michael Weiss. Ah oui, c'est incroyable. Il est en quatrième position. Et donc, Michael Weiss va venir terminer troisième. Et Elvis, revenu du diable, va venir prendre la deuxième place.